Alors, des contrats, qu'est-ce qu'on a proche Tac, le plus proche, ça serait celui-là. Allez, c'est parti. Oui, d'accord, c'est parti là. Il y a un TP plus proche là. Nope. Okay. Surtout que ce sera en ligne droite si je vais ici. C'est autre chose. Ok. Je peux faire ça aussi, hein. Je sais pas si c'est aléatoire ou pas. Allez, c'est un pied au top, ces trucs-là. Kilomètres. Ah oui, d'accord, ok. Bah, too late, hein. Je dois pas abîmer la voiture, normalement. Ouais. Normalement. Ça tourne pas, ce truc. Map dévoré. Je vais prendre une autre arme, ce sera plus adapté. Personne qui poursuit. Ouais, je peux pas courir quand je veux ça. Hop. Wow, wow, wow. Alors le truc il tourne pas, mais là il se met à patiner comme pas possible. Comment ça, y'a quelqu'un? Peut-être que le jeu m'autorise pas à faire ce genre de choses pour En avant, pas découragé.
En plus ça me fait des points XP. Et je repasse en combat, ouais en fait c'est... j'ai pas envie de faire ça. Le script m'autorise pas juste nettoyer tranquillement le tank. Je dois me faire poursuivre tout le temps. Je vais me sortir. Bon. Ah. Je sais pas vraiment quand je dois sortir ou pas. Ah, il est là. Okay. J'aurais dû retenir la Weebly, je l'avais pas. Ouais. Aïe! Ok, ceux qui m'embêtent sont où? Ok, j'ai eu le ralenti parce que... je sais pas. Parce qu'ils m'ont vu, ok. Derrière. Ils ont réussi à m'oublier quoi. Ouais! Je savais que j'avais choisi le bon merde pour ce boulot. Merci pour le coup de main, V. Mon tchoum va charger des finitions. Ta récompense t'attend au point de dépôt. Mais va pas tout dépenser en DSX et en paillettes. Mission accomplie, ok. Oh, bon, il donne du loot, lui. Ok. Et ça m'a ramené... je suis où, là? Ah oui, d'accord, c'est la caméra qui se dit non, bah, écoute... tac tac tac, je suis là. Il ouais, faut que je reprenne le même chemin à pied et puis je vais tomber sur un TP sur ma gauche. Oh, ça fait pas mal de P aussi. Putain de merde! Ah hop, c'est là. Ah oui, non, je suis pas encore sur le principal. Merci pour voir, ça fait toujours plaisir. Attends, c'est la quête principale. On s'est occupé d'eux, vous n'avez plus rien à craindre de leur part. Quoi? D'ici, tout se passe comme prévu, pour le plus dur est à venir. Ah, le plus dur est à venir. Je t'appelle dès qu'on sera sorti de Dunktown, fais attention à toi, les hommes d'Ansen sont encore nombreux dans les rues, on est en chemin déjà parti vers l'est, on n'a pas rencontré de problème majeur, j'espère que toi non plus, n'oublie pas de faire profil bas Dunktown, on ne pas gagner, même quand tu penses que c'est inutile, on s'est occupé d'eux, oh, bah, de sa façon, je comprends comment il s'est occupé, je veux pas de visite, ouais non ça c'est... Ok, ça se trouve, ils sont sans doute plus en vie. Be an
C'est quoi les points bleus ici? Ah, c'est la police, ok. Si je le tournais. Ouais. Si je peux monter. Oups là. Point de TP s'il vous plaît. C'est tout ce qui te sépare de l'amour de ta vie. Ah oui, il y avait ça aussi. Et du coup, on va recommencer le chemin de tout à l'heure. Du coup, le truc des voitures, c'était un contrat de... lui ? Ah non, pas du tout en contrôle. The Grand Imperial Mall. Hundreds of stores, thousands of possibilities, all in one place. Qu'est-ce qu'il y a encore ? T'as dit, je faisais un peu d'inventaire. Et c'est ce que c'est, il faut s'occuper de l'esprit, alors je pense à toi. Je me suis dit que j'allais te demander comment ça va. Panam Palmer, je m'en rappelle plus qui c'est. Je suis sur un contrat super bizarre avec plein d'applications, je te raconterai plus tard. Ouais, t'as le don pour te foutre dans des situations pas possibles. Bah... Tu sais que je retombe toujours sur mes pattes, aucune raison de t'inquiéter. J'espère qu'on pourra passer à d'autres soirées tranquilles ensemble sans oublier tous les clichés romantiques. Va pas te faire tuer. Je fais tout pour ça, l'avenir commence à s'éclaircir pour moi. Fais-moi signe quand on va terminer. Je te recontacte. Quand tout... Attends. Je te recontacterai tout quand on se verra. Je te raconterai, ouais, alors, oh putain. Oh putain, je commence à fatiguer. Déjà. Ok. Je peux pas aller droit ? Bizarre comme GPS. Oh, c'est un énorme truc, je peux pas rentrer, c'est ça? Non. Oh, il doit y avoir un trou dans le mur. Ok, je peux pas passer par là. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, c'est parce que c'est Doctor. C'est ça? Et là, c'est la partie... Bah non, je suis dedans. Ah ok, on peut le contourner, mais ça fait... c'est pas la partie fortifiée. Oh là là! Et je dois passer par la porte. Oh là là! Je vais faire ce contrôleur. Ok, j'avais pas compris comme ça. Voiture. Confirmé. Ah, c'est payant maintenant ?
Ah, c'était gratuit avant. Yeah. Non, c'était le seul d'ap. Avec un des hommes de Hansen, Dodger. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? Tu t'en doutes? Tout. Stella, la fiancée d'un des deux officiers, te donnera les détails. Bonne chance. Ok. Ah oui, c'était caché, ok. Montez. Ah oui, c'est bon, ouais. Stella, est-ce qu'il y a un problème? Baissez-vous! Faut pas que les hommes de Dodger nous voient! Ah, je m'allonge. Comme vous voudrez. Si ça peut vous rassurer. C'est très sérieux, ok? Faut pas déconner avec les gars de Dodger! Ok, d'accord. On est plutôt bien, en fait. J'ai besoin que vous aidiez mon fiancé Bill et son pote Charlie. Ils sont coincés dans le bâtiment de l'autre côté de la rue. Hans a dit qu'ils sont tous les deux du NCPD. Ça, et deux abrutis de première. Ils font parfois des petits boulots en ville. Ils ont voulu faire affaire avec Dodger, mais ça a mal tourné. Bill m'a appelé de l'intérieur. Il a juste dit, je cite, « C'est la merde !» Et que si je trouvais pas de l'aide, Dodger repeindrait les murs avec leur cervelle. Donc Bill, Charlie et vous, vous avez tous vos collègues flics de votre commissariat qui peuvent vous aider, mais vous préférez faire appel à un merc. Dodger, c'est pas vraiment un homme d'affaires respectable. Si on contacte le central pour ça, on se fera crucifier. Donc Bill, c'est votre fiancé, et Charlie, son partenaire. Vous pouvez me dire quoi d'autre sur eux? Bill, c'est un type bien. Mais Charlie, c'est un peu le grand frère qui vous attire que des emmerdes. Ok, Charlie méchant, c'est noté. Écoutez, on est tous ce que Night City a fait de nous. Mais Charlie, il attire les ennuis! C'est comme ça depuis toujours! C'est la merde. C'est tout. C'est la grosse merde, Stella. Trouve de l'aide, je t'aime. C'est mignon de sa part, mais c'est pas ce que j'attendais. Je lui ai demandé des détails, il m'a dit que ce serait trop long à expliquer par holo. Pourquoi Dodger vous file tous la tremblote comme ça? C'est un dealer très proche de Hansen, et un psycho complet. Il est venu à Dogtown pour éviter de purger une lourde peine. Essayez juste de pas éliminer les gars de Dodger, d'accord? Ça ferait qu'empirer les choses. Non, mais ça, Prenez cette carte d'accès. Dodger occupe un commissariat abandonné du NCPD. Les systèmes de sécurité fonctionnent encore, alors ça devrait vous aider à entrer. Les avantages de la vieille tech du NCPD. Je vous en prie, sauvez-les. Alors, une mission discrétion, c'est vraiment pas la mission que je réussis. Elle vient de m'écraser, là. Ah, il prend son temps au volant. Qu'est-ce que j'en sais? C'est arrivé il y a une bonne heure déjà. Ouais, mais c'est pas le cas. Vraie énigme. Titan Caliente, maintenant disponible en format géant.
heureusement que j'ai une minimap. Voilà. C'est ça la discrétion. Ici. Il n'y a plus rien à défendre. Enfin, attaquer. Tac. Ah, il y avait en faisant le grand tour, c'était plus compliqué de pirater la porte. Je comprends. Ok. Alors, 55 AC. Ok, BD. 55. Bon, ça, je dois faire encore 55 ? C'est assez. Ok, j'ai merdé. Ah, c'est bon, j'ai de la chance que ce soit un simple, mais je pensais que la sélection était un peu bizarre. Je récolte plein de points de. D'ailleurs, bientôt que je vende. Fabrication, amélioration, fusil sniper, composant insuffisant. Oh, plutôt pouvoir l'up. Tac. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah tiens, il y a des armes qui volent. Voilà des composants. C'est trop lourd. Oh. Surtout si du légendaire pour les désenchanter quoi. Du coup. Non, c'est vraiment l'ascenseur. Ah, ok. J'ai vu ce qu'il est comme ça, mais. Ça sert à rien. Ah, peut-être ça. Nope. Ah non, ok. Ouais, ils ont fait plein de chemins différents pour la discrétion quoi. Alors, bonjour. Rez-de-chaussée ou sous-sol. Rapide l'ascenseur. Il y a un interrupteur à droite. Appuie dessus. Ta droite ou ta droite? Ma droite. Hé, y a quelqu'un de l'autre côté? Qui demande? Charlie ou Bill? C'est Charlie! Alors finalement, Stella a réussi à trouver quelqu'un! Putain, merci! Bon, on va essayer d'ouvrir ça. Putain, c'est du solide ce truc! Vous pouvez m'aider? Bah oui. Vous feriez mieux de reculer. Ah. Oh putain de merde! Oui, je sais. C'est quoi ce bordel?
Mais vous en faites pas. C'est pas mon sang. Il s'est passé quoi? Voyez par vous-même. C'est juste par ici. Oh merde. Lui, c'est Bill. Salut. C'est qui votre ami? Quoi, moi? Il vient juste de vous le dire. Je suis Bill. Merci Bill, j'avais compris. Non, je parle de ce putain de cadavre sur la table. Celui dont vous avez oublié de parler à Stella. Oui, on l'a pas tué, d'accord? On vous le jure. Eh, tant que vous me payez, je vois juste deux flics innocents penchés sur un cadavre. Eh ben vas-y! Tu peux lui raconter ton idée de génie maintenant. Mon idée? Eh, hey, c'est toi qui as organisé le deal avec Dodger. Moi, il était béton. Si seulement t'avais pas laissé un sachet de drogue devant un junkie... Et comment j'aurais pu deviner qu'il allait le gober? De la drogue? Bah, vas-y. Non, toi. Putain, je vous jure que... Bon, voilà ce qui s'est passé. Sudshoom vole la cam de Dodger et se barre avec à Night City. Et nous, on apprend que Dodger offre une prime pour le choper et lui rapporter son sucre en poudre. On tombe sur lui pendant un contrôle de routine. Oh, une chatte pas possible. Le Tchoum transportait 200 grammes de coke de synthèse. Alors on l'a coffré et on l'a amené ici. Ce Tchoum a gobé 200 grammes? Putain, c'est possible ça? Bref, on se retrouve ici à attendre Dodger quand Bill pose le sachet sur la table. Et d'un coup, ce pommard de merde crie « Je vous encule, sale poulet !» et il se fourre le sachet dans la bouche. Il avait peut-être un implant de tube digestif, genre une gorge large et profonde. Ah ouais? Comme celle de ta mère, c'est ça? Non mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie, Bill? Vous pouviez pas juste lui faire recracher? On a tenté de lui faire une tréco... Oh merde! De lui faire un putain de trou dans le cou! Impossible! Le sachet a dû se déchirer parce que... il s'est mis à cracher de la mousse. Et il s'est mis à convulser avant de... claquer. C'est là qu'on a commencé à paniquer. Ce con a avalé pour des dizaines de milliers d'édits de cam! Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Stella avait raison. Vous êtes deux abrutis de première. On a paniqué, ok? Ça arrive au meilleur, non? Oh, putain. Il n'en reste plus rien. Et tout a été dissous. Et maintenant... Dodger va nous buter. Donc vous lui avez ramené le type qui avait volé sa cam, sauf qu'il n'y a plus de voleur, ni de cam. Ouais, c'est à peu près ça, quoi. Il faut que vous nous aidiez à nous tirer de là. Ok, alors on se bouge. Bon... Et attends, il y a un dernier petit détail, quand même. On est venu en voiture de patrouille et il faut qu'on la récupère. De mieux en mieux. Vous l'avez laissé où? Dans le garage. Alors en route pour... C'est officiel, V. Te voilà enfin dans la cour des grands. La cour des abrutis de première, pour être exact. Je me doutais. Sympa de te joindre à nous, Johnny. Oh, ton avis est toujours aussi précieux. Elle va me tuer si elle apprend ce qu'on a fait. Je suis un mort en sourcil. Tu sais ce qu'il te faudrait? Quoi? Une bonne grosse paire de couilles. Oh, parce que toi, tu te prends pour un dur. Ah, c'est vrai, tu bégayes pas du tout devant le capitaine à chaque fois. Je bégayais pas, putain. Ils nous ont déjà fait passer par ici. C'était quoi le code déjà? 2, 8, 9, 3? C'était 2, 9, 8, 3. Abruti! C'était 2, 8, 9, 3! Je l'ai vu le taper! Vas-y! Ça marche pas! Je te l'avais dit! C'est 2, 9, 8, 3! Un gars de Dodger! Toc. Attention. Hein? Oh, dans l'absolu, la discrétion, c'est... ça me fait chier. Eh, on tue personne, ok? On a assez de problèmes comme ça. Trop tard. Allez. 55, 55, 7, 1. Merci. Je sais pas. Je pourrais partir sur un BD. Ouais, non.
C'est mort. Merde, il y a une porte. Encore, putain, les gars. Eh, hey, c'était pas nous, ok? Il va y avoir un interrupteur quelque part. Dodger va nous couvrir des dix, Bill. Le plan est infaillible, Bill. Fais-moi confiance, je sais ce que je dis, Bill. Hein? Ferme-la, Bill. Tu t'inquiètes que ce soit Pacifica? T'es trop une fiotte pour mettre les pieds là. Je sais pas ce qu'on ferait sans vous. Oh, tire dessus! Va voir ce que j'ai. Donnez tout ce que vous avez! Je faisais one shot. Ah non, c'est la relique qui déconne. Ah! J'en ai plein le cul! Alignez-vous. Désactiver la caméra. Ah pardon, je vais faire un truc. Qu'est-ce qu'il veut? Désactiver la caméra. Sérieux? Oui. Okay. Objectif à la con. Éliminer la menace. Sors de là. Oh putain. Vous avez relève pas si vite. Bah oui. Putain, j'en ai plein tout ça. Je la vote qu'il y a. Ok. Ah, je les entends plus s'engueuler, tiens. Ranger. Bon, attendez, c'est gentil. Notre voiture se trouve juste par là. Ouais, bah c'est sûr qu'il y a des ennemis, quoi. Dis-moi, tu les as bien sur toi, hein? Mais qui? Merde. Oh, ne me dis pas que tu les as laissés là-haut. Du calme, Chou. Elles sont juste là. Ouais. T'as explosé? Non. Dodger. Oh, merde. Je peux pas tirer dessus. C'est quoi cette pause pour descendre? Eh ben ça alors! Un comité d'accueil! Comme c'est gentil! Affronter Dodger? Salut les gars! Oh! J'arrive en avance! Eh ben on... On peut tout expliquer! La ferme! Toi je te connais pas! Je peux savoir qui t'es? Je m'appelle V. Pas du tout ce que je fous là. T'es franc? Ça me plaît. Mais il y a quand même un truc qui m'échappe. Oui. Vous avez quoi sur la tronche? Un peu de ketchup? Vous aviez plus de serviettes? Ouais, mais... Non, c'est pas nous. Moi, perso, je... Toi, tu serais capable d'aligner plus de deux mots? Il y a eu une fusillade, un type a été touché, il pissait le sang... Après ça, on a rapporté ton truc ici, on l'a laissé à l'étage, et alors c'est tout bon. Encore un baratineur. Ok, la troisième sera peut-être la bonne. Il raconte des cracks? Je suis pas fan de ce petit jeu. On pourrait passer à la partie où on essaie de s'entretuer. Voilà, ils sont trois, j'ai trois balles, il y a un moment, faut y aller, quoi. Hé, hey, où sont les flics quand on a besoin d'eux? On était juste derrière toi. Ça y est, c'est fini? Ouais, il vous reste plus qu'à sauter dans votre caisse et à fuir les lieux. Ça doit pas être trop dur. Merci. Alors, on y va ou quoi? Ouais, ouais. Bon. Vous avez pas? Je vais prévenir par radio pour leur dire qu'on rentre. Attends, je vais d'abord contacter Stella par où. Ok. Et bonsoir Kemler. Pompompon. Ah bah oui, bah là. C'était quand même beaucoup plus simple de finir cette quête. V, alors dis-moi, qu'est-ce que ces poulets avaient fait cette fois? Putain de merde, si on me demande encore une fois. Tu es de mauvais poil, on dirait.
Je me passerai des détails. Si le client est content, alors moi aussi. Le contrat est bouclé. Ok, c'est cool.